Alors bonjour à tous, bienvenue sur DailyFix.fr, mille excuses pour ces 2 minutes de retard, le point de marché. Matières premières, on va être bref et précis. L'or, le pétrole, le cuivre, 3-4 minutes, pas beaucoup de nouveautés, hormis ce qui est probablement l'activation de la fameuse divergence haussière de RSI sur le gold. Dans le morning meeting tout à l'heure à 11h, je serai transparent sur toutes les stratégies FX. Je suis déçu de l'USD/Yen. Mais en même temps, le signal n'a pas été donné, ne l'a jamais été. La résistance à 104,30 n'a pas été dépassée. On recule. Bon, jusqu'à un certain support, je reste à terme, moi, confiant sur cette stratégie. La livre sterling, l'euro dollar, qui est resté baissier suite à la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Mais voilà, cette inflation aux États-Unis, lisez en même temps l'avertissement sur les risques liés au trading, était conforme aux attentes d'un point de vue global, sans surprise. Avec la contribution enfin positive du prix de l'essence, parce que lorsque vous calculez un taux de variation, donc un taux de croissance mathématique, hein, entre le prix de l'essence aujourd'hui et le prix de l'essence il y a un an, eh bien on a un taux positif. Ce qui n'était plus le cas avant, bah forcément on était plus bas il y a un an, hein, ça fait, on était 30, 35, 40 dollars, on est maintenant au-dessus. Donc c'est un peu mécanique, hein, comme façon de calculer les indices d'inflation. C'est pour ça que forcément, même si l'inflation globale a été s'est fortement accélérée, le dollar n'a pas accéléré à la hausse, parce que c'est juste un effet de base. Par contre, l'inflation sous-jacente, qui est la plus importante, qui représente à peu près les trois quarts de l'inflation globale aux États-Unis, même si elle reste largement positive, elle a décéléré dans son rythme de croissance, ce qui amène quelques prises de bénéfices ou stabilisation sur le dollar US, et ce qui permet à l'once d'or de tenir son support, voire peut-être d'entrer enfin en rebond technique, ou encore à l'euro dollar de se stabiliser sur 1,0970, 1,0980. Et maintenant, la prochaine étape, c'est bien sûr la Banque Centrale Européenne et Mario Draghi. Ça, on en parle dans le morning meeting. Allez, parlons peu, parlons bien. Droit aux questions, once d'or. Plateforme TradingView, CFDXAUUSD 2FXM ici sur la TradingView. Divergence haussière active selon l'étude chartiste du RSI journalier. Vous aviez 3 creux ascendants alors que le prix faisait 3 creux descendants et surtout cassure du niveau des 30. Lorsque vous lisez un bouquin de M. Willis Wilder qui a créé le RSI, il explique que c'est le signal d'achat. Bon, la chose est que d'un point de vue des prix, la résistance à 1264, qui moi me semble nécessaire pour donner un signal positif, n'a pas été brisée. Alors je suis un peu embêté, l'étude chartiste du RSI me dit que oui, c'est haussier à court terme, l'étude des prix pas encore. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, de toute façon, si vous avez suivi nos émissions, vous avez senti plus ou moins la conviction qu'on avait sur 1250$. Bon, on va aller au bout des choses, je vais aller en H4. D'une certaine façon, on est peut-être sorti par le haut d'un petit triangle H4. Donc, les prix ont peut-être donné ce signal positif. C'est pas non plus une grosse conviction. Donc, faites attention. Je vais rester, moi, sur le daily. Allez, avec une conso du dollar, on devrait pouvoir remonter vers 1270, 1275$. C'est le scénario que je vais choisir de défendre désormais, en me basant sur l'activation par le RSI journalier de la divergence haussière de RSI sur l'once d'or. Le pétrole, idem, je reste haussier, phase de transition latérale sous les sommets annuels, ne vendez pas le pétrole, ça fait 10 séances qu'on prend le temps de former un support, vous connaissez les raisons fondamentales qui permettent à ce marché de progresser, aujourd'hui les stocks de pétrole aux États-Unis et la décision en matière de taux de la Banque Centrale du Canada qui dans ses perspectives d'inflation intègre énormément le prix de l'énergie. Puisque dans le commerce extérieur du Canada, donc qui contribue à la formation du produit intérieur brut, il y a une part très importante des exportations, et notamment des exportations dans le secteur du pétrole. Donc forcément, dans ces anticipations d'inflation, la Banque du Canada étudie, en tout cas ses économistes maison, la façon dont elle se projette sur le prix du pétrole. Bref, à court terme, techniquement parlant, ça reste haussier le pétrole, avec en plus la légère conso du dollar US. C'est pour ça qu'on voit les matières premières soutenues, avec l'once d'or qui est donc rebondi sur 1250. Je ne serais pas très ambitieux, je vous dis, 1270, éventuellement 1275. Quant au pétrole, il devrait pouvoir revenir tester ses récents plus hauts, qu'il s'agisse de Luca Oil ou de l'US Oil. Alors, je vois des questions sur les paires de devises. C'est dans le morning meeting que j'y réponds, donc c'est bientôt, hein, c'est à partir de 11h. Et je n'oublierai rien, ni l'euro dollar, ni l'USD Yen, ni les paires en GBP. Comptez sur moi.
La market scope de FXCM, brièvement, pour vous rappeler qu'il n'y a pas de modification de l'analyse technique du cuivre ou encore du gaz naturel. Le cuivre, ça reste l'hyper triangle chartiste. Attention, il y a un risque d'en sortir par le bas, ce qui n'est pas le cas. La stratégie a toujours été pour moi d'acheter le bas du triangle. Nous y sommes presque dans la partie basse, mais pas encore tout à fait. C'est 2,08. Le dernier rebond, c'était mi-septembre. Pour l'instant, tout est parfaitement neutre. Gaz naturel, je vous ai invité à prendre vos bénéfices le 13 octobre, lorsque mon objectif technique avait été atteint. Ça correspondait pile poil à ce niveau horizontal. Désormais, je suis neutre. À court terme, on va baisser. Divergence baissière standard. Prise de bénéfices, probablement jusqu'à cette oblique. Je n'irai pas jusqu'à le shorter. Et donc le gold, on vient d'en parler. Voilà, écoutez, pas d'autres questions, pas davantage de choses à dire. Attention au stock de pétrole. Et puis, le morning meeting, eh bien, c'est à 11h et on balayera toutes les classes d'actifs. Merci beaucoup et à tout de suite.